Dans cette vidéo, nous allons voir comment s'inscrire à Facebook. Donc, je vous invite à lancer le navigateur internet de votre ordinateur et à taper dans la barre de recherche ou la barre d'adresse Facebook directement. Normalement, ça doit se compléter automatiquement et ensuite vous tapez sur Entrée. Donc là, vous arrivez sur la page d'accueil du site. Tout en haut, ça concerne les personnes qui ont déjà un compte hein, pour se connecter. Il y a juste à mettre l'adresse mail ou le mobile et puis le mot de passe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'inscription. Donc il y a juste à remplir le formulaire. Donc là, je mets mon nom, mon prénom, le numéro mobile ou alors l'adresse mail. Je préfère mettre mon adresse mail. Voilà. Là, il demande la confirmation de l'adresse mail pour éviter une erreur de saisie. Ensuite, le mot de passe, la date de naissance. Donc, je précise que Facebook n'est pas autorisé pour les jeunes de moins de 13 ans. Voilà, voilà, voilà. Votre sexe. Et ensuite, vous cliquez sur inscription. Voilà, donc là, en fait, il vous informe qu'il vous a envoyé un mail et qu'il va falloir justement à travers ce mail-là confirmer votre inscription. Donc là, je vais aller directement sur ma messagerie. Je vais vérifier si j'ai bien reçu le mail de Facebook. Donc j'ai reçu directement deux mails. Donc le premier qui m'invite à confirmer justement le compte Facebook, il y a juste à cliquer sur confirmer et là vous arrivez directement sur la page de configuration du compte. Donc là il vous invite directement à ajouter des amis. Donc là, si vous connaissez des amis, bon là on va faire suite, hein, je vous laisse ajouter directement si vous les connaissez ou pas. La deuxième étape, vous arrivez sur la page de bienvenue du site Facebook, de votre compte Facebook. Donc là, il vous propose de nouveau de soit confirmer les invitations grâce au mail que vous avez rentré, la confirmation de demande d'amitié avec d'autres personnes. Vous avez également la possibilité via l'adresse mail que vous avez rentré ou même le numéro de téléphone de retrouver des amis. Il va directement en fait prendre les informations de votre carnet d'adresse, soit par rapport à votre numéro de téléphone ou alors par rapport à votre messagerie internet. Donc en dessous, vous avez également les paramètres de confidentialité. Et ensuite, de rajouter une photo sur votre compte et puis de nouveau de rajouter des personnes. Voilà. Votre compte est bien créé. Donc si vous voulez vous déconnecter, vous avez juste à cliquer tout en haut à droite et à cliquer sur déconnexion ici. Et si vous voulez vous reconnecter, vous remettez votre adresse mail et votre mot de passe. Cliquez sur connexion et vous serez de nouveau connecté. Voilà! J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao !